Mets-toi debout. Israël a péché. Israël a péché.
sera que Israël a du péché en Israël. Grâce à ne voir pas, soyez tristes de voir Dieu. Vous devez dire que vous ne m'avez pas encore béni. Dites-lui que tu m'as promis, mais je ne vois rien. Alléluia. Amen. Il ne faut pas faire semblant d'être dans la joie alors que Dieu ne t'a pas encore béni. Dieu ne t'a pas encore révélé que tu es sauvé. Va à l'autel. Tombe à genoux. Même face contre terre. Que Dieu descende. Comme l'autre frère là dont Frère Branham nous parle. Il est allé dans la forêt. Il a dit, si tu ne me donnes pas le Saint-Esprit, je ne veux pas retourner voir ma femme ou mes enfants. Je mourrai ici. Et quand tu reviendras, tu trouveras maison ici. C'est la décision qu'il faut prendre. Tu restes là. Même s'il pleut. Même si la nuit vient. Montre-lui que tu veux le Saint-Esprit. Que tu m'as promis le Saint-Esprit. Pourquoi tu ne me l'as pas donné? C'est ce qu'Abraham a dit. Il dit, mais je m'en vais sans enfant. C'est Eliezer qui s'est rendu. Et pourtant tu m'as promis. Mais je n'ai pas d'enfant. Où est la promesse? Voyez frère, il faut une attitude de l'évangile. Une attitude qui peut pousser Dieu à réagir. Amen. Ok, nous allons prier pour un enfant. Donc, au bon de la connaissance, la mort à mon corps. D'enfant, Aleba Ndali. Moi, Aleba Ndali. Paradoxe. Paradoxe. Venez ici. Yaka Waligoso. Avec l'enfant, on va prier pour lui. Non. Les amis, t'as mon arabe. Amen. Ok, on va prier pour l'enfant. Donc, au bon de la mort à mon corps. Dieu notre Père Céleste. Bénis cet enfant. Nous sommes reconnaissants pour l'avoir connu. Pour l'avoir donné à cette famille. C'est une bénédiction, Seigneur. Maintenant, ils t'ont amené cet enfant. Un signe de reconnaissance. Pour pouvoir donner le soin entre tes mains. Pour que tu puisses le bénir. Combattre pour cet enfant. Contre les états péris de ce monde. Seigneur. Le consacrons à toi. En ce jour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La famille Tamwe demande la prière pour la sœur Rachel Tamwe pour les 31 ans d'âge. Les mots Tamwe, vous allez vous dire que les mots de la vie, c'est Rachel Tamwe, on a les mots de Tukumisat. 31 ans. Tukumisat à la mort. Et la sœur parfaite Tamwe pour ses 300 ans d'âge. Et parfaite Tamwe, on a les mots de Tukumisat à la mort. Il y a aussi. Le frère Jeff Chimanga qui demande la prière pour ses 26 ans d'âge. Et après, il y a Jeff Chimanga qui demande la prière pour ses 26 ans d'âge. Alors, venez ici, nous allons prier pour vous. Nous allons prier pour vous. Nous allons prier pour vous. Bénis les Seigneurs, notre Dieu.
chambre na mabonza bela miso. Ils ont déjà fait beaucoup d'années sur la terre. La seule chose à la bibou est belle la carte de la mobile. 3 ans, 26 ans, 31 ans. Bibou misa to tout le monde moto va. C'est toi qui les as gardés, Seigneur. Yon de ma jeune bambou. Et tu les as bénis, Seigneur. Yon bambou le bambou. Et tu te revenais à chacun. Yon bimou nisse na mobile. Pour qu'ils croient le message dans la foi. Yon de ma sambara pour la table. Je recommande à toi, Père Dieu. Afin que le reste des années, qu'ils ont encore à faire sur cette terre, qu'ils soient encore plus bénis au bien-aimé. Accorde à chacun de vous le désir de son cœur. S'ils ont une requête spéciale, c'est que chacun reçoit selon le besoin de son cœur. Je recommande à toi, Père, puisse demeurer en toi et la crainte de Dieu soit dans la vie de chacun. Que tu puisses le remplir du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Comme le Christ. Amen. Amen. Bon anniversaire. Il est béni. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Avec elle, Seigneur, de la garder au Dieu contre tous les esprits de l'âge mauvais. Cache-la en toi, Seigneur, notre Dieu. Oh, Père bien-aimé, que tu le remplisses de ton esprit, Seigneur. Et cette fille, oh Dieu Tout-Puissant, marche sous ta protection divine. Accorde-lui ce qu'elle demande pour les repères. Qu'elle soit intelligente, oh Dieu. Et qu'elle soit fortifiée, Seigneur. Que ta main puissante. Que ta main puissante soit sur elle. Que la gloire de la Shekinah puisse l'envelopper. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bon anniversaire. J'ai quelques préliminaires ici avant de goûter la parole de Dieu. Ce sont des petites choses qui viennent à l'esprit pour vous aider dans votre démarche ou pour garder l'ordre dans l'église. Sachant que ça, c'est la maison de Dieu. Ce n'est pas une salle de classe. Ce n'est pas une salle de fête. Ici, c'est l'église. Et on a un comportement différent de chez l'église. Différent du comportement qu'on peut avoir dans une salle de fête. Amen. Amen. Et nous l'avons déjà dit. C'est le prophète qui l'a dit. Il n'y a pas seulement les prophètes, mais depuis l'Ancien Testament. Quand on vient à la maison de Dieu, on affiche un certain comportement. On y entre avec beaucoup de révérence. C'est-à-dire, on croit réellement que nous, le Dieu Tout-Puissant est ici. Et nous devons le respecter. Et
s'il y avait une autorité politique ici, je crois que quand vous entrez là-bas, vous êtes vraiment dans le sérieux. Mais nous avons ici celui qui est plus qu'une autorité politique. Donc nous devons être sérieux. Et nous allons dès qu'on entre là-bas, on est calme. On ne se parle pas. On reste calme. On prie le Seigneur. On lit sa Bible. On lit sa brochure. Parce qu'ici, on est venu communier avec Dieu. La communion entre nous, c'est à l'extérieur. À moins que ça soit vraiment nécessaire. Sinon, venez prier et acharner. Et je sais que souvent on a besoin de prendre des photos dans l'église. Ce n'est pas mauvais. Et je voudrais que les photos soient prises quand il y a un événement. Comme on a consacré l'avant, comme il y a eu les anniversaires, comme il y a le mariage, c'est un événement dans l'église, les gens voudraient eh bien être photographes. Et quand, pendant qu'on est en train de prêcher, et le photographe, tout le monde va être assis pour écouter la parole de Dieu. C'est pour cela qu'ils sont venus ici. Si les photographes là se promènent partout pour prendre des photos, quand est-ce que lui, il va entendre la parole? Et autre chose, je sais qu'il y a beaucoup de confusion dans le message. Parce que les gens ne sont pas enseignés. Mais nous devons nous parler de petites choses. Je voudrais parler un peu de la collaboration entre les membres de cette église et les serviteurs de Dieu des autres églises. J'ai déjà reçu deux cas chez moi. Une seule qui est venue avec son cas. Et un problème spirituel. Je lui ai posé la question. Est-ce que votre pasteur savait que vous êtes venu chez moi? Il m'a dit non. Il dit, mais alors comment je peux traiter votre cas? Alors votre passé ne connaît pas ça. Parce que quand je traite votre cas, c'est parce qu'il fait que je peux suivre ça. Alors moi je ne suis pas votre pasteur. Comment je peux suivre ça? Si c'est un cas de prière, là nous prions pour tout le monde. Mais quand il s'agit de traiter un problème spirituel, nous voulons que votre pasteur vous recommande qu'il connaisse que tu es allé chez tel ou tel pasteur. Comme le membre de cette église aussi, vous ne pouvez pas aussi aller chercher une solution spirituelle quelque part. Votre pasteur vous recommande. Ou sans qu'il le sache. C'est comme ça que l'église fonctionne. Et frère madame dit, même quand vous voulez aller écouter la parole de Dieu ailleurs, ou vous voulez aller assister à une campagne d'évangélisation, votre pasteur doit être informé. C'est comme ça que nous travaillons.
Et souvent, on peut avoir un cas, mais peut-être pour lequel je ne peux pas trouver une solution. Je peux recommander le frère ou la sœur aller dans telle église pour aller consulter Dieu là-bas. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. C'est alors. Mais si vous n'êtes pas recommandé, ce n'est pas un ordre. Donc nous devons apprendre ces petites choses. Même quand on était encore à l'Assemblée chrétienne de Rimini, il y avait d'autres frères qui étaient à l'église, mais qui ont été placés des pasteurs ailleurs. Et il revenait voir le frère de la CR pour le soutenir dans les problèmes matériels et financiers. Non, ce n'est pas correct. Ce n'est pas propre. Si quelqu'un est votre ami et il veut vous aider, il le fera. Mais vous ne posez pas les problèmes parce que vous appartenez à une autre église. Souvent, il y a des confusions comme ça. Mais nous devons être enseignés là-dessus. Chacun a son église. Chacun a son pasteur. Et chaque pasteur a le membre sur lequel Dieu l'a placé pour les amener à Christ. Et frère Madame dit que souvent, les gens prennent les esprits de leur pasteur. Il y a des pasteurs qui ont des esprits. Et tu peux aller être à contact avec lui, vous prenez ses esprits et vous les amenez ici. Et vous ne le savez pas. Donc, arrêtez ces choses. Et comme j'ai dit à ces soeurs-là, qu'elles puissent arrêter. Souvent, quand j'ai recommandé les gens, il me revenait avec le rapport de la maison des dons. Ça, moi, je veux suivre notre fidèle. Et souvent, il y a beaucoup de pasteurs. Vous arrivez chez lui. Bon, restez ici. On va suivre votre cas. Oh non, on va faire la délivrance. Et finalement, c'est pour que vous restiez là-bas comme membre. Non, ce n'est pas correct. Nous devons être corrects. Une autre petite chose que je voudrais dire. Je ne suis pas contre la télévision. Mais je suis contre les programmes qui sont à la télévision. Ce sont des choses qui affaiblissent l'église. Qui affaiblissent la foi des enfants de Dieu. C'est le prophète qui l'a dit. Et nous devons vous le répéter. Pour que le diable ne puisse pas vous avoir. Je vais dire quelque chose. Le prophète disait dans sa prière, et je voudrais que vous suiviez ça. C'est dans les questions et réponses sur Hébreu. Troisième partie. Au paragraphe 878. Il dit maintenant, Père, je prie que tous ceux qui ont levé la main reçoivent ce qu'ils ont demandé à lever la main. Qu'ils soient bénis. Et oh Dieu, je te prie d'aider nos sœurs pour qu'elles soient
fait qu'elle se conduise correctement. Alors que Satan parle la télévision, et les magazines sentimentaux, et toutes ces choses qui ont été utilisées avec tant de légèreté, des émissions non censurées, les obscénités et la vulgarité à la télévision, et tout, qui, se pourrait être un instrument pour gagner des millions d'âmes à toi. Mais comme ces choses ne sont pas censurées, on diffuse toutes ces saletés. Oh, comme c'est lamentable. Et de savoir que l'esprit du diable tourne autour de nos sœurs et s'est introduit parmi elles, les poussant à suivre la mode et à s'habiller comme ça. Si vous avez un appareil de télévision, ceux qui vont la télévision dans ta peau, alors censurez les programmes. Et c'est votre la émission malade. Ne regardez pas les mauvais programmes qu'on met à la télévision. Programme la télévision. Cherchez vos programmes à vous. Bon, nous avons un programme à vous. Ou de l'éducation. Le quoi la éducation? Ou certaines émission de scientifique. Donc, émission comme ça, il y a Moïse. Vous mettez là pour regarder. Vous tiens pour ça qu'on a. Ou des prédications. Donc, les matériaux. Vous écoutez. Vous avez un cas. Mais c'est des histoires qu'on vous met de là-bas. Vous ne savez pas celui qui a démêlé ça. Casse. Il en faut pas d'autres tiens à tirer. Il en faut une bille pour éviter. Il en faut aussi avoir. Vous êtes là en train de les regarder. Vous avez un cas là. Ne le faites pas. Parce que c'est le diable qui a mis ça. Ce n'est pas un chrétien qui a mis ça. Et on n'a pas mis cela pour préparer les gens à l'enlèvement. Alors que nous, nous venons ici pour nous préparer. Pour l'enlèvement de l'église. Parfois, ce sont les enfants. On a parfois circulé dans les maisons des frères. Dès que vous entrez dans la maison, oh, c'est le pasteur. Oh, okay. On commence à bouger les choses. Pour arrêter l'émission, tourner, changer. Qu'est-ce que le pasteur a fait avec vous? Ce n'est pas le pasteur qui va vous sauver. Ce n'est pas le passé qui va vous faire entrer au ciel. Regardez votre télévision. Regardez votre programme. Cela montre ce que vous êtes. Moi j'entrerai. Je vais m'asseoir. Je serai seulement dans cette maison. Voilà l'esprit qui règne ici. Vous savez qu'un jour, Frère Branham a baptisé quelqu'un. Il était un grand fumeur. Alors il l'a baptisé. Et quand il est sorti, il va là-bas pour s'échanger. Il a pris son paquet d'alcools. Il regarde Frère Branham pour voir s'il ne le voit pas pour qu'il puisse filmer. Frère Branham lui a dit, frère, continue à fumer. Continue à fumer jusqu'à ce que la chose arrive dans votre vie et cela soit une expérience qui va enlever la racine de la cigarette. Parce que si vous le faites faisant semblant, cela ne marchera pas. Il y a un frère qui m'a posé la question, je crois qu'il doit être là pour expliquer 1 Corinthiens chapitre 15
Versets 27 à 28. 1 Corinthiens chapitre 15. Il est écrit ceci. Et pour moi, Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que c'est lui qui lui a soumis. Toute chose est acceptée. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Afin que Dieu soit tout. Voilà la doctrine des témoins de Jéhovah. Oh, il y a deux dieux. Il n'y a pas deux dieux. Il y a un seul Dieu. Qui a travaillé comme père au-dessus de nous. Et qui est venu au milieu de nous comme fils. Et il est en nous maintenant comme Saint-Esprit. Amen. C'est dans la fonction de fils que tout a été soumis à Dieu. C'est dans la fonction du Fils que Dieu est devenu notre rédempteur. Et tout ce qui devait être soumis à Dieu par son office de Fils, ça doit aller jusqu'à ce que Dieu termine son travail. Il a travaillé comme fils de l'homme. Il a travaillé comme fils de Dieu. Il doit travailler comme fils de David. Dans les milléniaux. Donc Dieu est esprit. Il ne peut pas s'asseoir sur les trônes. Mais c'est dans la fonction du fils qu'il peut avoir le trône. C'est dans la fonction du Fils qu'il va marcher sur son dernier ennemi qui est la mort. Et quand il mettra toutes choses sous ses pieds, Dieu n'aura pas besoin d'être fils. La fonction du Fils va disparaître. Et le tout sera remis à Dieu le Père. Et Dieu ne sera pas en nous comme Saint-Esprit. Mais madame dit qu'à l'enlèvement, toutes les portions que nous avons comme esprit, Dieu va prendre ça pour le remettre à la colonne de feu. Donc il n'y aura pas la fonction du Fils de Dieu. Jusqu'à ce que Dieu va tout terminer dans sa fonction du Fils. Alors la fonction du Fils va remettre ou se soumettre à la fonction du Père. Donc Dieu deviendra Père comme il a toujours été. Et nous serons ses enfants. Il n'aura pas aussi besoin d'être fils. Parce que nous serons ses fils et ses filles. Voilà la chose qui est là. Donc, les témoins de Jéhovah, et quand ils prennent ça, ils vous montrent qu'il y a deux dieux. Non, il n'y a pas deux dieux. Amen. Et je l'ai dit la fois passée, il y a beaucoup de gens qui ont demandé le DVD pour les prédications qui se passent ici. Et les
prédication de la campagne que nous avons fait ici. Matin à campagne de Saragiawa. La réunion des ministres que nous avons fait ici. La réunion des ministres de Saragiawa. Et l'interview qu'il a fait. L'interview que ça a marqué. Qui donnait la lumière à tout ce qui a été dit au sujet de ma démission. Oye, pesa qui pole ni corona o Dios la e coloba ma pona ndenge ngana tika ki mosala. Et on est en train de graver ça. Bazali koti ya mwana basende. Après vite, vous pouvez acheter cela à l'extérieur. Na sima ko kotsumba ko kuna libanda. Donc un DVD coûte 1500 francs. DVD moko za na 1500 francs. Acheter, même donner aux autres qui sont des autres églises pour qu'ils voient réellement que ce qu'on lit la Bible, c'est des mensonges. Parce que nous voulons nous répartir quand la chose n'est pas correcte. Alors, dans l'interview qu'il avait fait le 29 janvier, on a fait sortir ça. Et dans la réunion des ministres, c'est encore un peu plus détaillé. Pour donner la lumière à tout ce qui s'est dit sur le média. Et nous espérons que peut-être que ça prendra fin. Parce que nous n'avons pas besoin de ça. Et parce qu'à cause de ça, on a amené beaucoup de gens à nous considérer comme des ennemis. Pour rien. Parce que ce sont des maçons. Nous devons dire ces choses comme ça. Parce que nous allons au ciel. Nous voulons être en communion avec tous nos frères et toutes nos sœurs. Nous n'avons pas d'ennemis. Sur base de quoi? Mais je peux encore le dire. Que j'ai démissionné. Je ne me suis pas querellé avec le pasteur Barouti. Ni avec l'assemblée qui était délégée. Je n'ai injurié personne. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai rien dit contre qui que ce soit. Donc, il n'y a absolument rien pour moi. Et alors soyez heureux, soyez calme. Et dites à nos bien-aimés là-bas. Que nous sommes les frères et les sœurs. Alléluia. Nous sommes au monde. Que nous sommes dans la parole de Dieu. En Europe, au Canada, aux États-Unis, en Afrique du Sud, ils sont en train de nous suivre. Et nous savons la responsabilité que nous avons dans ce message. Et nous voulons, comme je l'avais dit l'autre fois ici, que notre doctrine ici c'est la doctrine de William Marion. Parce que nous croyons qu'il n'y a pas un Ephésiens 4
Et bien au contraire, Jésus a dit, à partir de la colonne de feu, et pour Abraham, je t'envoie mes deux messages. Alléluia. Pour aller préparer mon époux, avant ma seconde venue. Monde. Et Dieu vous bénisse richement. Et Dieu
vous accorde le désir de votre cœur. Et que cet après-midi, là vous êtes peut-être la nuit en Chine. Vous êtes en Chine, vous êtes le matin. Et au Canada, que Dieu vous bénisse. Et qu'il vous accorde quelque chose qui peut vous édifier. Prions le Seigneur. Jésus m'aime, il m'aime, il m'aime, il est mort pour moi. Il m'aime, Jésus m'aime, il m'aime, il m'aime, il est mort pour moi. Parle-nous, Seigneur. Édifie-nous ce soir. Père, dispose le cœur de chacun. Prépare le terrain, Seigneur. Afin que ta parole, qui est la semence, puisse tomber sur une bonne terre et qu'elle puisse produire les bons fruits. Bénis la parole que nous allons lire. Oh, tu es le prédicateur du chemin. Nous n'avons pas besoin de lui. Utilise-le tout simplement comme un micro, comme un instrument, pour que toi tu puisses nous parler. Merci, Seigneur. Nous avons confiance en toi. Et ce que nous avons demandé, tu l'as déjà accordé. Nous avons demandé cela, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Et restons debout, nous allons lire la parole de Dieu. Ouvrons la Bible dans Genèse chapitre 15. Donc, ouvrons la Bible et la mission dans l'Évangélie. Genèse chapitre 15, verset 1 à 6. Genèse chapitre 15. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui naîtra de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta
postérité. Abraham eut confiance à l'Éternel. Abraham a joué qu'il continuait pas à Yahweh. Qui lui impida à justice. Allons encore au chapitre 22. Donc, il y a des sources à tout comme il va de Genèse. Et Bandeli. Nous lisons le verset 15 au verset 18. Donc, on va dans le verset Zomina Mitan, le verset Zomina Mohamed. Genèse, chapitre 22. Et Bandeli, tout comme il va y aller. Nous lisons du. À partir du verset 15 jusqu'au verset 18. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Et dit, je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela. Et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai. Et je multiplierai ta postérité. Comme les étoiles du ciel. Et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que tu as obéi à ma voix. Que le Seigneur bénisse la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, vous êtes à la table du Seigneur. Ça, ça est puis la messe à la quoi? Priez pour que Dieu vous donne votre goût. Vous êtes plus grand. Plus que celui qui est devant vous. C'est vous qui êtes assis à la table. C'est vous qui êtes les honorables. Alors, commandez ce que vous désirez. Alors, le serviteur qui est là va aller chercher la nourriture à la cuisine. Et le serviteur n'est même pas moi. C'est le Saint-Esprit. Parce que moi, je ne connais pas votre goût. Et vous ne me parlerez pas. Parlez seulement au Saint-Esprit. Et lui, il va chercher la nourriture. Et vous direz, en tout cas, merci Seigneur. En tout cas, là, on m'a parlé. Mais ce n'est pas l'homme qui est ici qui a parlé. Mais c'est le serviteur de Dieu, le Saint-Esprit, qui vous a parlé. Alors, ayez confiance au Saint-Esprit. Cet après-midi, comme nous l'avons commencé le vendredi, nous allons parler d'un sujet que j'ai intitulé le Fils prodigue. Mais avant de commencer ce sujet, je vais encore l'appeler et surtout à ceux qui n'ont pas été là le mardi. Parce que c'est très important que nous puissions avancer ensemble. Le mardi, nous avons parlé de la prédication que fait Mme Apelché. Il a intitulé Possédant les portes de son ennemi. L'homme tel que Dieu l'a créé, il devait vivre des promesses de Dieu. S'il n'y avait pas de péché, chacun de nous ici vivrait de la parole de Dieu. C'est pour cela que Jésus a dit, il est écrit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Mais après le péché, quand le diable a introduit le péché, il a mis des barrières pour s'emparer d'une promesse de Dieu. Vous devez d'abord posséder sa barrière. Vous avez vu la barrière. Et vous allez maintenant vous emparer de la promesse. C'est ça la chose qui est là.
Depuis que le péché est entré, le diable a mis des barrières. Pour que vous puissiez arriver à accéder à la promesse de Dieu, c'est difficile. Et Dieu a dit à Adam, c'est dans la sueur de ton front que toute la terre a été créée pour lui. Cette terre était bénie et produisait des fruits. Abraham et pardon, Adam mangeait à sa faim. Adam il ne faisait aucun effort. Quand il veut manger une mangue, il bague. Je vais te manger. Mais après le péché, il va grimper. Difficile. Le diable a mis des portes partout. À tel point que l'homme, par la foi, il peut arriver à s'emparer des promesses de Dieu. Mais vous devez combattre. C'est ce que nous avons vu. Vous voulez être béni? Les bénédictions ne sont que dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de bénédiction pour les chrétiens en dehors de la parole de Dieu. C'est pourquoi tous les malades me disent souvent, Israël, Israël ne sera pas béni en dehors de la Palestine. Parce que le pays que Dieu lui a donné, où Dieu doit le bénir, c'est la Palestine. Et le pays que Dieu nous a donné, nous les enfants de Dieu, pour qu'il puisse nous bénir, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, si mes paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voudriez. Demandez ce que vous voudriez. Cela vous sera accordé. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste, il sera donné par-dessus. Quelle promesse glorieuse! Avec ça, le chrétien ne pouvait pas souffrir. Christ va comprendre qu'on y a quoi mater. Il ne peut pas avoir des problèmes. Parce qu'on lui a donné les clés. Pour ouvrir les portes. Des bénédictions de Dieu. Demeurez seulement dans la parole. Obéissez à la parole. Vivez la parole. Et le reste, Dieu lui-même le fera. Il n'a pas besoin de vos efforts. Satan peut guérir.
Le bonhomme a dit non. Le bonhomme a dit Satan ne peut pas guérir. Satan a tout. Mais ces gens-là, quand ils vont voir les médiums, ils croient dans leur cœur. Et le Dieu qui a créé les chers là-dedans, il est là. Il va me guérir. Dieu, dans sa bonté, dans sa grandeur, quand il voit la foi de cette personne, il descend et il est guéri. Mais le médium va en profiter. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne regardez même pas aux bénédictions. Sinon, vous allez vous égarer. Parce qu'il est écrit que notre Dieu fait pleuvoir et sur l'ivré et sur le blé et sur les justes et sur les injustes. Ne vous contentez pas de la pluie. Ce qui est à vous. Alléluia. Et la semence qui est en vous, elle va se manifester. Nous verrons le fruit que cela produit. Alléluia. Tu prophétises. Tu parles à l'âme. Tu pries pour les malades. Et après, tu deviens méchant. C'est ça la semence qui est en vous. C'est ça le frère. Nous aimons bien que Dieu nous bénisse. Qu'il nous donne des dons. Qu'il nous donne l'onction. Mais ce n'est pas la chose à laquelle nous allons regarder. La chose qui nous intéresse chaque jour. Qu'est-ce que mon cœur produit? La prédication, je vais décoder. Le ministère, je mets de côté. Les dons, je mets de côté. Je laisse maintenant moi. Qu'est-ce que je produis? Qu'est-ce que je présente au monde? Qu'est-ce que je suis dans ma nature? C'est la chose à laquelle Dieu regarde. Frères et sœurs, que Dieu nous aide. Alors, frère Balaam me dit. L'homme pouvait posséder pratiquement toutes les portes. Que le diable a mis. Il les a même possédés au cours des âges. Mais pour que Dieu sauve l'homme, il faut que l'homme soit capable de posséder toutes les portes que le diable a placées. Le diable a placé une porte de la tombe. Satan a une porte de la mort. Une porte du séjour de mort. Une porte de l'enfer. Qui est cet homme qui peut posséder ces portes? Pour qu'il soit sauvé. Abraham ne le pouvait pas. Adam ne le pouvait pas. Moïse ne le pouvait pas. Élie ne le pouvait pas. Aucun homme sur la terre. Même s'il marchait avec Dieu, à la fin, le diable le prend. Il lui donne la mort. Il va avec lui jusqu'à ses jours de mort. Il le met au cachot. Et le diable va s'asseoir à la porte de l'enfer. Posséder et sauver de là. Personne ne fait ça. Aucun humain. Aucun prédicateur. Aucun savant. Aucun pape. N'était capable de posséder les portes de la mort. C'est pour cela que Dieu devait venir dans la chair. Il devait devenir le parent de l'homme. Pour montrer au diable. Comme David. Goliath était là. Goliath était là. Il y avait une porte que le diable a placée.
congéler cette porte à la place de mes frères. Bien qu'il était petit, petit détail, il était grand, grand. Mais David a dit, moi, je viens vers toi au nom de l'Éternel. Pas à mon nom personnel, mais au nom de l'Éternel, au nom du Dieu d'Israël, je suis sûr que je vais vous couper la tête. Vous êtes une porte faible. Je vais vous déraciner et vous donner comme proie aux oiseaux. Frère, si Goliath était intelligent, il pouvait se poser des questions. Et c'est petit ici. Montre mon cœur. Il y a des gens qui sont grands. Dans la paix d'Israël. Mais comment on a envoyé petit comme ça? Est-ce que ce n'est pas un sorcier? Oui, il va s'en occuper. Comment on voyait? Pour m'en foutre. Alléluia. Frère, Goliath. Goliath. Au lieu de réfléchir, le signe de Amanza. Oh, petit. Arrive-moi dans mon cœur. Ce n'est pas que ma lance ici. Quand on a dit qu'on a la noyau, je vais te prendre. Et te donner aux oiseaux comme toi. David a dit, David a dit, dès que tu me vois ici, j'ai tué déjà un lion. Dès que tu me vois ici, j'ai tué l'ours. J'ai de l'expérience. Je ne suis pas seul dès que tu me vois ici. J'ai quelqu'un qui est plus grand que toi. C'est sur lui que je compte. Amen.
Jésus. Voilà que tu vis. Il était très content. Ah, d'abord c'est bien. Très content. Ah, c'est bien. Enfin. Ah, mais super content. Je suis arrivé maintenant. Maintenant pour vaincre toutes les portes de l'ennemi. Comme ça, la race humaine n'aura pas à combattre. Moi, je vais combattre pour elle. Je vais vaincre pour elle. Je vais posséder toutes les portes de l'ennemi. Alléluia. Comme David. Et je vais appeler maintenant la race humaine. Suivez-moi. Je vous ai donné le pouvoir. Aucun démon ne peut vous résister. Vous n'avez le pouvoir de résister au diable et il fuira loin de vous. Pourquoi? Parce que j'ai possédé toutes les portes. Alléluia. Le diable n'a aucun pouvoir de me détruire. Il est le tout faible. Et vous soyez une sœur. Quand vous résistez au diable, il va fuir. Monsieur, paragraphe 49. Jusqu'au paragraphe 51. Possédant les portes de l'ennemi. Nous ne sommes pas pressés. Même si on ne voit pas le sujet d'aujourd'hui, nous le verrons. Ah, nous ne sommes pas pressés. Ah, nous sommes chez nous. Et quand on les jugea, il ne répondit pas par les jugements. Pardonnez-moi de vous dire ceci. Nous nous disons ce que le prophète a dit. Il dit qu'à Gethsemane, l'esprit l'a quitté. Le Père l'a quitté. Tatan a tika kiye. Il est resté maintenant ce corps. Et pourquoi ne dites pas, il n'a pas répondu parce qu'il avait le Saint-Esprit. L'esprit l'a déjà quitté à Gethsemane. Quand on l'a injurié, il n'a pas répondu par les injures. Et toi, tu dis que tu as le Saint-Esprit. Comment tu peux répondre les injures par les injures? Ça, c'est une sorte de Saint-Esprit. Qui produit les injures. Oyo ebota kama finga. Soyez sincères. Le Saint-Esprit a ses fruits qu'il produit. C'est lui qui a donné la parole. Il est lié à la parole. Oh frère, Pandeko. Quand on l'a, on le ridiculisa. Il se tue. A gangi mon nom. Et quand les 10 espions ont vu ça, ils ont commencé à trembler. Mais Josué et Caleb, ils ont dit, nous nous sommes capables de posséder cette porte que notre ennemi a placée pour que nous ne puissions pas nous emparer du pays qui nous a été donné par la promesse de Dieu. Dieu nous donne des promesses. Mais le diable place devant nous des obstacles. Pour t'envoyer ça avec les yeux naturels, que nous puissions avoir le besoin pour ne pas aller s'emparer de la promesse de Dieu. C'est la chose qui a fait de ces passions bien aimées. C'est pourquoi le Saint-Esprit veut que nous puissions être fixés en tant qu'enfants de Dieu. Que nous sachions que notre Père ne voit aucun obstacle devant nous.
Il avait tout le temps sa Bible. Dit, je crois tout ce qui est écrit. Et quelqu'un d'autre lui a dit, mais si on vous dit qu'il a besoin de ce mire ici, si c'est écrit ici, mais je vais traverser. Amen. Tout ce qui est dit ici, même s'il y a un obstacle, marcher seulement jusque devant l'obstacle. L'obstacle n'est pas fui. Il y a un frère qui nous a fait rire. Et là, quand on va se faire rire, vous savez que dans notre pays, même ici, c'est déjà arrivé. Il y a des portes. Vous avancez dès que vous arrivez là-bas. La porte est s'ouvre. Et vous passez. Le frère là, il est allé à l'Afrique du Sud. Il voit la porte devant lui. La porte est fermée. Il n'y a pas de poignée pour ouvrir. Et si la confusion est dans la cadre, comment je peux passer là? Amen. On lui dit, avancez de ce point. Alléluia. Et il a avancé. Avant de vous dire, il a fait quelque part. C'est ça, ne craignez pas les obstacles passés par les gens. Ce sont des épouvantails. Amen. Des épouvantails. C'est pourquoi je vous avais dit, il y a pas d'examen, à cela d'ici, attends, qui est en train de vous maudire, c'est une porte du diable. Azali est pour que vous voyez Satan. Ne craignez pas. Parce que vous êtes une semence au roi d'Abraham. Je vous ai béni. Vous avez pas mal. Vous avez la fondation du monde. Ok, même sur la terre. Mais le droit de vous maudire. Ne l'acceptez pas. Quelqu'un qui était préoccupé par cela. Oh, yo, mon salaire,
mort. Et là s'est trouvé le pouvoir triomphant de la mort. Kuna ya salaki na nguya ya mokonza diwa. Il prit donc ses mains. Et étendant ses membres, le clouèrent à une croix. Il le bâtit et le maîtrit. Jusqu'à ce que ses os le regardent. Mais à ce moment-là, après qu'il lui eut fait tout ce qu'il pouvait, la mort le frappa en disant: maintenant, je te prendrai comme j'ai pris Josué. Je te prendrai comme j'ai pris Daniel. Et je ferai tout ceci pour te contraindre à mourir. Et il mourut. Jésus est mort. Il a expiré à Koufi. Il a crié en gangue: mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et Bana me dit: il mourait à votre place. Ce n'est pas lui qui criait. C'est toi et moi qui crions. Pourquoi tu nous as abandonnés? Je vous ai abandonné pour que vous puissiez être capable de posséder toutes les portes. Toutes les portes que le diable a placées. Ne laisse rien. Continue. Que le diable soit confus. Que tu sois convaincu qu'il n'y a rien encore au monde. Mais qu'il porte, qu'il n'est pas été possédé par la race d'Abraham. Aucune. Même si tu as un enfant qui est malade, tu es capable de posséder la porte de l'église. Même si tu as un enfant qui ne croit pas, tu es capable de posséder la porte de l'église. Tout est possible à celui qui croit. Il n'y a aucune porte maintenant. Même si tu es stérile, comme Sarah, vous êtes capable de posséder cette porte. Vous direz à Dieu: même si je suis déjà à la ménopause, mais Sarah. Elle a eu un enfant. Il y a Elisabeth. Elisabeth. Elle était déjà vieille. Comment tu m'as marqué? Mais elle a eu un enfant. Parce qu'elle a moi. Mais Anne. Anna. Montrez à Dieu tout ce que c'est. Il est le tout puissant. Comment il peut donner un enfant à Elisabeth? Elle était déjà vieille. Et avant, il ne peut pas le faire. Comment il y a un peu saloté? Bon, c'était le pont de l'ennemi. L'autre bouquet de l'ennemi. Il n'y a pas d'obstacle. Et puis qui s'est désaté. Et l'autre Dieu ne peut franchir. Oh, ça, t'as dit ça, on va au 400. Alléluia. Ainsi, frère, Jésus a tout conquis. Yesu a longi nos. Il a conquis l'affaire. A longi du féro. Il a arraché les clés des mains de Satan. A bâtonné ma fougère, ma maman de Satan. Il est allé au séjour des morts. A quel coup de l'ennemi? Il a détruit le séjour. Parce que le séjour des morts, c'était pour. C'est là où il y avait les saints qui étaient morts. Il y avait un endroit qu'on appelait le paradis terrestre. Dans le séjour des morts. Jésus est allé jusque-là. Il a brisé la porte. Il a fait sortir les Abraham. Et Daniel. Et Josué. Et Josué. Et ils sont ressuscités. Amen. Ils sont ressuscités avec lui. Et la Bible dit, il les a même vus à Jérusalem. Amen. Et quand Jésus était arrivé, il a été arrivé ensemble avec lui. Et quand il est entré dans la gloire, frère Madame dit, et ils sont restés au véranda, en train d'attendre l'enlèvement.
Il lui a donné aussi la promesse du Fils.
apesa ki epenge laka ya mwana mobali que tu auras un fils ete okozwa mwana mobali et à partir de ce fils uta na mwana mobali wana tu auras les descendants okozwa ebele na bato bakita na yo qui vont habiter dans ce pays bakofanda na mboka oyo. Il y a un pays et il y a des descendants qui peuvent arriver à ce pays. Et nous savons tous que ce fils, c'était Isaac, dans le naturel. Mais aujourd'hui, quand Dieu est venu nous visiter, il nous a révélé quelque chose. Il nous a dit, il n'est pas écrit aux descendants. Et comment m'était ou aux postérités au pluriel. Donc ma bota n'a boïke. La dit toutes les nations. Arrive ma bota n'y seront bénies. A comment en ta postérité. Na, l'époque n'a pas quitté n'a yon moko, moi n'a moko. Nous n'avons pas vu Isaac. Puisque ton mari Isaac a fait. Isaac est mort. Isaac a couffé. On a même trompé par Jacob. À quoi ça va qu'il a Jacob? Que je suis Esaïe. Et il a béni Jacob. Mais pas mort Jacob. Mais quand Esaïe est venu, Esaïe, oh papa bénis-moi. Oh papa, pas mort Esaïe. Mais j'ai fait de bénir. Non, c'est pas moi. Il dit non, ce n'est pas moi. Il a été. Ah, je comprends. Donc c'est ton petit frère là qui est venu me tromper. Maintenant je n'ai rien. Mais ça, c'est quoi le nom qu'on peut se faire? Pour te bénir. Voilà, pas pour la. La Bible dit, Bible est l'obé. Esaü s'est répandu. Esaü a bon pour la Timothée. Après que nous pêchons, nous avons tenté à répandez-vous. Répandez-vous. Mais Esaü s'est répandu. Esaü a bon pour la Timothée. La Bible dit, Bible est l'obé. Sa répandance, comment la Timothée a été servie à rien. Et son qui est de l'autre côté. Frère, allez-vous. Quand on vous dit répandez-vous, ceux qui vont venir de bon moment, répandez-vous. Vous risquez de traverser la ligne qu'on appelle la ligne de débarcation. Quand vous la traversez, même si on te conseille, tu es toujours pour les lignes. Même si on te conseille, tu parles toujours à mal des gens. Même si on te conseille, on prêche. Tu es toujours la même personne. Ne change pas. Aucune parole ne peut te toucher. Donc tu as traversé la ligne de démarrage. La ligne de non-retour. Quand un avion démarre, vol, il arrive à un endroit. Et comme même s'il a une panne, l'avion ne peut pas retourner. Il doit avancer. Et c'est là qu'il y a maintenant le bosso. Même s'il va s'écraser quelque part. Attends, mais c'est quand même qu'on voit. Il doit aller chercher l'aéroport le plus proche quelque part. Ah, ok, d'accord. Donc, c'est quand même qu'on voit qu'il est dans. Il ne peut pas retourner. À cause de ma tête. C'est pourquoi, frère. Il y a moi, ma tête. Quand la parole sort. Sauf qu'il est l'homme béni. Le comportement que tu affiches n'est pas le comportement des chrétiens. L'homme béni, on s'est dit que tel est l'homme béni à mon Christ. Ne cherche pas à te justifier. Quand on va connaître l'homme qui s'attend. Cherche plutôt à pleurer. Le cadeau est là. Pour que Dieu ait pitié de toi. Pour que tu changes. Pour que moi. Tu dois te reconnaître. Oh yeba. Que tu es toujours la même chose. Et dans sa encore. Un véritable enfant de Dieu. Moi dans un vrai. Il doit faire des progrès dans sa foi. Et c'est qu'il y a quoi là la carte qui n'a pas dit malaï. Je ne peux pas être la même chose. On dit qu'à mon côté. Des jours et des jours. Mais pour les abonnés. Des mois et des mois. Et des années et des années. Non. L'apôtre Paul a dit. Toma pour la robe. Je meurs chaque jour. Nazaré Koufa, mon colon, mon col. Pourquoi venez ici? C'est pour être corrigé par Dieu. C'est pour être redressé. C'est pour être reproché par Dieu. C'est pour nous faire passer par le jugement de Dieu. Pourquoi tu as dit que c'est ce que nous avons? Oh frère. Oh, Mandeko. Et nous savons que la véritable sémence. Peut-on aider tes mots de solo? C'est Jésus-Christ. Amen. 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 Ce
celui qui est la semence d'Abraham. C'est en Jésus où toutes les nations sont bénies. Et le prophète lui dit, quand on parle de toutes les nations ici, ce n'est pas le Congo, le Congo Brazza, Rwanda et Burundi, Burundi Gabon, Gabon, ce n'est pas ça. Toutes les nations seront bénies en Jésus-Christ. Ma bonne nous ne va pas pour la maladie sous Christ. Le malade dit qu'il s'agit de l'épouse. Ne comprends-tu que les années moins il est dans toutes ces nations là. Oh les nations qui n'attendent la Nicole ou la parce qu'en réalité pour être béni, vous devez entrer en Christ. Et ça vient de quoi d'attendre la Christ. La RDC n'est pas en Christ. RDC n'attendent la Christ. Les Gabon n'est pas en Christ. Le Soudan n'est pas en crise. Les États-Unis ne sont pas en crise. Mais l'épouse de Jésus, il est dans tous ces pays. Il est en crise. Toutes les nations seront bénies en Christ. Alléluia. C'est dans Jésus-Christ. Si vous êtes en dehors de Jésus, vous ne serez pas béni. Alors courez pour entrer à Jésus-Christ. Vous voulez être béni, alors courez. La porte est ouverte. Entrez à Jésus pour que vous recevez toutes les bénédictions. Oh frères et sœurs, quand vous êtes en dehors de Jésus, vous ne recevrez pas tout. Le frère Madame dit qu'Abraham attendait le fils promis. Il attendait des années et des années. Mais avant que ce fils promis vienne, quelque chose est arrivé. Abraham a été visité par Dieu. Amen. Dans la chair humaine. Dieu qui est venu comme un homme. Pour visiter Abraham. Vraiment, il dit c'est pour deux raisons. La première raison, c'est pour confiner Abraham. Dans peu de temps, la promesse que je t'ai donnée, je vais l'accomplir. Comme vous m'avez vu, dans la chair d'un homme, cela signifie le fils promis n'est pas loin. Il vient bientôt. C'est pourquoi il y a dit l'année prochaine, à cette même époque, je reviendrai. Et Sarah, ta femme, sera enceinte. Elle aura un fils. Quand Sarah était enceinte, on n'a pas vu Dieu revenir. Maman, les hommes, nous sommes on n'a pas vu Jésus venir. On n'a pas vu. Maman, les hommes, nous sommes en vacances sur le moto. Frère, maintenant, dans l'esprit, ça, ça est bien dans le monde. Nous avons vu le même ici. Donc, moi, nous venons de voir mon corps. Abraham, notre père, oh, Abraham, dans la vie, a vu. À mon accord. C'est pour confirmer que c'est Jésus que nous avons toujours attendu. Et que les apôtres ont attendu. Qu'il viendra. Maintenant, il est à la porte. Voilà pourquoi ce signe a été montré. Parce que Dieu l'a montré déjà à Abraham. Et il devait la montrer à sa semence à la fin des temps. Le discernement de pensée, c'est que Jésus revient bientôt. Le fils promis que nous attendons. Et tout le monde ici attend le retour de Jésus-Christ. Moi je l'attends. Je crois que toi aussi tu l'attends, mon frère. Nous attendons le fils qui nous a été promis. Il a dit que je m'en vais. Et je ne viendrai pour vous prendre. Afin que là où je suis, et vous soyez aussi.
Ils avaient les yeux tournés là-bas. Il est perdu. Mais c'est quoi ça? Et les anges sont venus. Dès que vous l'avez vu partir, il reviendra de la même manière. C'était un homme qui est parti avec les pieds et la tête. Un homme, une personne qui est parti. Et il doit revenir de la même manière. Il va sortir des nuages. Alléluia. Et quand la colonne est venue à terre, il est majeur sur la terre.
costume ici. Alors, on a le costume là. Et lui est devenu ce qu'il était auparavant. Il est à son guinée, à Zarakali Bosso. Parce qu'il a dit, moi, je suis venu du Père. La route est la carte. Je retourne au Père. Maintenant, ça, c'est dit. Quand il vient de visiter, il sera sous forme de ce corps-là. Il vient de visiter sous forme de la colonne de feu. Alléluia! C'est pourquoi la colonne de feu qui est venue le visiter, depuis 1933, n'est pas la seconde venue de Jésus. C'est le serpent mâle qui a séduit Ève.
Oyo a été aussi dit ça ewa. Dieu lui a dit. Zambervi. À partir d'aujourd'hui. Où est maudit. Au lac là il va commencer à rentrer sur. Banda comme il est dans la babé. Mais ne sais pas fermer et te quelque part. Yoka oya moisi et dans la caisse. Comme ne sais pas mal a été maudit. Le coup de nous voilà pour pas les dire. Il commence à rentrer. À partir de quand. Là où était le seul pas fermé. Sous-titrage Société Radio-Canada.
qu'il était trop âgé. Et Sarah aussi. Et Sarah. Naturellement, scientifiquement, Abraham ne peut pas accepter ou s'imaginer qu'il peut avoir des enfants. Abraham a voulu condimenter et avoir des enfants. Sarah ne pouvait pas mettre au monde. Sarah bien voulu condimenter. Mon frère, Bandeko, écoutez, Oyoka. Mais quand il a vu celui qui pouvait discerner les pensées de Sarah, car c'était Moïse, à mon qui montoya pour pas qu'il soit sur la macarisse la Sarah. Derrière lui, si manaye, il a reconnu l'heure où il vivait. À ce soir-là, qui était mon ennemi, il a dit, à la vie, mon Seigneur, permets-moi d'apporter un peu d'eau. Pour te laver les pieds. Ils ont mangé un morceau de pain. Permets-moi de déplorer. Reste un peu plus longtemps. Et vous, ici, mon Seigneur. Est-ce majestueux? Est-ce la majestueux? Elohim. Elohim. Il a reconnu que c'était Dieu. À son soleil, c'est la qui lui parlait dans une chair humaine. Il a reconnu son signe. À son soleil, le monaïe. Et il a été béni du Seigneur. Béni à Pamour. Sodome n'a pas reconnu son jour. Sodome n'a pas reconnu son jour. Et elle a été consumée par le feu. Père Ezika qui n'a pas reconnu. Frère, toutes les dénominations que vous voyez, ma, bimongi, c'est que vous avez elles n'ont pas reconnu leur jour. Ma, yedi, mokona, ma, c'est pour cela qu'elles seront brûlées. Yamona, ma, mozika, ma, tout, mama. Nous n'hésitons pas à les dire. C'est pas le problème. C'est Dieu qui a dit qu'ils seront brûlés. S'il veut se disputer, il va y voir Dieu. Nous n'avons rien à voir là-dessus. Nous sommes dans la tête. Et à moi, nous croyons. Qui compte n'a pas reconnu la visitation de Dieu. Dans ces derniers jours, il périra. À Kokoufa, il sera consumé. À Kotoumama. C'est pourquoi, frère, car Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de l'homme, s'est révélé à nous à travers le prophète. Toi, tu t'es arrêté au prophète. Tu n'as pas reconnu d'autant. C'est là où se trouve maintenant le problème. Au lieu que les gens voient Dieu, pas Dieu, Branham, mais Dieu qui utilisait Branham. Changement. Pas de changement.
Mais pour ceux qui l'ont reconnu, d'abord, ils sont sortis. Et ça, ce n'est pas la peine de parler. Un homme ne peut pas parler. Un primaire ne peut pas parler. Un primaire ne peut pas parler. Sagesse. Ça, ce n'est pas l'homme qui parle. En tout cas, derrière cet homme, il y a un être surnaturel qui parle. Qui connaît toutes choses. Qui connaît le commencement. Qui connaît ce qui s'est passé avant le commencement. Mais l'homme n'était pas là avant le commencement. Comment est-ce que vous connaissez ce qui était avant le commencement? C'est Dieu lui-même qui parle. Vous devez aller jusqu'à avoir cette révélation. Vous dépassez Branham. Vous dépassez Branham. Vous allez derrière Branham. Et vous rencontrez Jésus-Christ. Alléluia. C'est à ce moment-là que le changement peut s'opérer. La femme samaritaine a été en face de Jésus. Le fils de l'homme. Péché était parti. Et il était parti. Toute sa prostitution a disparu. Et il m'a dit. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré Jésus. Pourquoi le chanter, Personne ne peut rencontrer Jésus. Et rester le même. C'était possible. Si vous le rencontrez réellement, vous ne resterez pas le même. Parce que tu as rencontré le pasteur. Mais si c'est Jésus qui tient la parole, il doit changer. Et ce changement-là, tu ne feras pas d'effort. C'est le fait de le rencontrer. C'est terminé. C'est comme le serpent des reins. Dieu a dit, regardez seulement le serpent des reins. A déjà tué des centaines d'années. Et où même l'amour est belé. Dès que tu vois les épreuves, la maladie disparaît. Frère, voyez seulement ce que Dieu a dit. Tout sera terminé. Amen. Le Fils promis. Vous devez le raconter. C'est lui qui opère le changement. C'est lui qui a opéré le changement. À Abraham et à Sarah. Et à Sarah. Il disait la Bible à très vite. Il lisait la Bible entre les livres. Quand les théologiens viennent, ils commencent à résonner. Comment un homme de 90, de 100 ans, comment une femme de 90. Oh, ça sont des histoires. Mais quand Dieu nous envoie un prophète, le prophète vient, il lit la même Bible. Et le théologien au livre, il regarde, après la visitation, il est écrit ici. Abraham et Sarah, ont fait environ 90 km ou 300, je ne sais pas. Comment une maman de 90 ans peut marcher avec la canne? Alors, autant la canne, elle peut faire 100 km. Après, il faut faire 100 km. Il y a des choses. Avec un, ils ont beauté. Et après, ils arrivent dans le pays des Philistins. Ils voient les hommes. Tous les hommes commencent à envier Sarah. Abraham. C'est ta femme. Oui, moi c'est Abraham dit non, c'est pas seul. Abraham était. Moi, la femme de Abraham aussi. Comme il ne parlait pas la même langue. Le roi parlait pour le roi de la mort. Il a parlé à Sarah. Alors, il a Sarah monté des mains. Il dit que c'est mon frère. Le bat est décoré mon bal. On peut l'épouser. Cela dit, en tout cas, c'est moi qui vais l'épouser. L'autre dit, non, c'est moi. Ah, mais toi, tu n'as pas de maison, tu vas le mettre dans la maison. Je suis venu au bal de guérir.
C'est moi qui ai levé, qui a eu besoin. Mais toi, tu ne travailles pas, tu ne gagnes rien. Même si je ne travaille pas, mais j'ai des bêtes que je lève. Dispute entre les hommes. Les jeunes gens. En train de se disputer une vieille femme. Donc ce n'est pas une vieille femme. C'est une jeune femme. Moi. Alléluia. Et ils se sont dit, Madobani, bon, comme nous ne pouvons pas le disputer, le bon ami saute dans le toi tu ne veux pas que je l'épouse. Yo, toi tu ne veux pas que pour cela l'épouse. Tellement qu'elle est jolie. Le bon ami qui dit prenons-la pour notre roi. Tous voyez comme le père s'est dans mon côté. Abraham. Abraham. Toi, on va te donner parler de tes parents. Yo, ma beau père s'en d'accord qui top et c'est mon corps. Deviendra le beau frère du roi. Au coco, ma beau kilo et mon conti. Abraham a dit Amen. Abraham a dit Amen. Frère, il ne pouvait rien faire. À quoi vous êtes arrivé? Il était devenu faible. Parce qu'il savait que s'il disait qu'il était le mari de Sara, la seule chose qu'on ferait, c'est le tuer. Comme ça, Sara deviendrait libre. Parce que frère maman me dit, la loi des mariages est la même et pour les païens que pour les chrétiens. Amen. Les incroyants savaient aussi qu'on ne peut pas prendre la femme de quelqu'un. Une femme ne peut pas avoir deux maris vivants. Et Abraham, Abraham, il ne comptait que sur Dieu. Il est à l'aide de la carte à du Seigneur, tu m'as donné la promesse. Et c'est avec Sarah que j'aurai le fils premier. Mais Sarah est déjà prise. Sarah, vas-y, vas-y. Je ne compte que sur toi, Seigneur. Je sais. Que tu es un Dieu puissant. Et ensemble, tu es capable d'entrer dans le palais du roi. Tu es capable. Rien n'est impossible. Et là, maman, moi, je le crois. Moi, Abraham, je le crois. Il a prié. Abonné. Il a imploré de l'éternel. Ma colère de fait de ça. Je continue mon équipe. Jusque dans le palais. Qui n'en a pas mon côté. Abimelech qui s'est déjà préparé. Abimelech s'est l'engueulé. Il a donné la chambre à Sarah. À mon ici, il était à Sarah. Et Dieu est descendu. Amen. Abimelech! Abimelech! Abimelech était un païen. Abimelech n'a pas parlé. Pas Dieu pouvait parler avec lui. Dis-le, ça ne va pas parler. Abimelech, dis même voici, Seigneur. Abimelech, il y a eu un tel que tu es là, quand tu es déjà mort. Aussi, on confie. Je suis mort. Qu'est-ce que je fais? Tu es déjà mort. Parce que tu as pris la forme de quelqu'un d'autre. Oui, moi aussi, mon sous. Dis bon, oh Seigneur, Apollo. Mais lui-même, il m'a dit que je suis et qu'il est son frère. Tu connais. Yo, il ma fidélité. Oh, tu connais ma sincérité. Oh, et Dieu lui dit, non, c'est bien. Parce que je connais ta sincérité. Et dans les points, et j'ai intervenu. Ah. Sinon, je te tuerai. Toi et toute ta famille. Ça, c'est la femme de quelqu'un d'autre. Prends sa femme. Sois mon va lui remettre ça. Et lui va prier pour toi. Il est à parce qu'il a déjà commencé à convoiter ça là. Moi, je veux matin qui déjà connu là. La Bible dit, si vous convoitez une femme, ça c'est la femme de quelqu'un. Prends sa femme. Et lui va prier pour toi. Il est à parce qu'il a déjà commencé à convoiter ça là. Moi, je veux matin qui déjà connu là. La Bible dit, tu te la fais grâce. Abimelech, tu as déjà péché. Alors, pour que tes péchés te soient pardonnés, il faut que ce mandel là prie pour toi avant de la prendre.
Il ne faut pas les suivre. Quand on a été. Mais je n'aime pas Abraham. Quand on a mal à mon âme. Comme Abraham m'a dit. Quand on a mal à mon âme. Quand on a mal à mon âme. Toi, tu mourras. Yo, quand tu me fasses mon âme. Alléluia. Amen. Le fils promis. Moi, je suis là. Amenez beaucoup de choses. Amenez beaucoup de choses. Frère, Neko, si aujourd'hui, ce qu'il est là, tu as rencontré le fils promis, il écoute le fils de l'homme, moi na moto, qui est l'homme le plus heureux. Vous allez voir les saints compromis. Parce que nous avons vu dès le commencement amen. Que Abraham, et Abraham son appel est bien guéri. C'est le type et Zali et de l'appel du croyant. Il y a combien de monde dans ces derniers jours. C'est pourquoi je suis en train de suivre la vie d'Abraham. Pour que nous sachions ce que nous devons devenir jusqu'à l'enlèvement. Le fils promis. Dieu nous a promis un fils. Mais avant que ce fils vienne, comme au temps d'Abraham, Dieu devait nous visiter. Dans une chair humaine. Pour nous donner le même signe. Il a donné à Abraham. Pas qu'il a donné aux Juifs. Quand il a donné à Abraham, ce signe-là, le fils premier est venu. Mais quand il a donné ce signe aux Juifs et aux Samaritains, le fils premier n'était pas venu. C'est lui que nous attendons. Le fils de David, moi, doit régner avec nous dans le millénaire, pendant 1000 ans. Je ne sais pas là où sera. Ici au Congo, à Congo, je ne sais pas où. Mais nous avons une promesse. Nous posséderons toutes les portes de l'ennemi. Quel que soit le pays, quand nous reviendrons, nous allons posséder ça. Amen. Oh frère, oh Baneko, quelle joie! Et c'est mon quelle joie d'entendre ces promesses glorieuses. Oh mes frères, il y a des choses importantes ici. Et là, comme je l'ai dit, nous sommes pressés. Le roi n'a pas tous un précédent. On y va petit à petit. Nous sommes dans la rien. Amen. Amen. Comme madame a dit, le roi n'a pas dit. Lui, il avait un message. Hier, à la fin de sa mort. Il pouvait prêcher pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, 6 heures. Il y avait un roi côté à 2 heures, 3 heures, 4 heures, 6 heures. Mais le pasteur n'a pas un message. Casse, manquez quelque chose dans sa mort. Il prend seulement ce qui est là-bas. Alors, on va passer le bambi. Petit à petit. Il donne un peu. Après, c'est moi, non. On se disperse. Non, pas ça. Demain, on revient. Non, vite, on donne encore un peu. Après, c'est moi, non, après, c'est pour lui que cela entre. Oh, c'est écoute. Que cela soit reçu. C'est ça l'essentiel. Et la parole entre. Et tu le mets contre. Dans les cœurs des hommes. Que le Seigneur vous bénisse les gens. Je vous suis de vous. Nous allons prier le Seigneur. Tout le monde est là. Oh, merci Seigneur. Nous allons appeler pour le j'aime Jésus. Je veux Jésus.
soyez ici, Ozala Awa, et vous soyez dans l'auditoire invisible, Ozala dans l'auditoire invisible, levez la main, dopo la mobile no moko, notre Dieu est omniscient. Et il est omniprésent. Il voit votre main qui est levée. Même si moi je ne la vois pas, lui vous voit. Il voit votre requête. Vous voyez tout simplement. Dieu vous a donné là ce que vous demandez. Qui est aussi une requête ici. Le frère Michel Mwanga. Michel Mwanga. Il souffre de basse. Azana Bokone basse. Nous allons aussi nous souvenir de lui dans notre prière. Togo Kansé, le monde. Prions le Seigneur. Togo de la Golo. Dieu est notre Père Céleste. Zambé Tata la Mission à l'école. Avant que le bien-aimé lève la main. Toi, tu connaissais les besoins. Avant même qu'il y pense, toi, tu as déjà répondu à leur requête. Et nous croyons à tes promesses. Quand tu allais dans ta parole et demandé, vous recevrez. Tes enfants ont demandé. Nous croyons qu'ils ont déjà reçu. Yannis dans ta parole. Tout ce que vous demanderez au Père à mon nom. Je le ferai. Et vous, croyez que vous l'avez déjà reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Et ces promesses glorieuses puissent s'accomplir dans la vie de chacun. Chaque personne qui a levé sa main, car il a une requête, c'est il accorde à chacun selon le désir de son cœur. Et qu'il n'y ait personne qui sortira de cet endroit sans avoir reçu ce qu'il a. Et nos bien-aimés qui sont au loin, accorde la foi à chacun. Que chacun reçoit ce qu'il a demandé. Même s'il est malade, qu'il soit guéri au nom de Jésus. Et c'est lui qui a besoin du Saint-Esprit. Qu'il le reçoive au nom de Jésus. C'est lui qui voudra recevoir du travail. Il est le travail au nom de Jésus. Seigneur, crée même le travail. Là où il n'y en a pas. Pour que ton enfant puisse avoir le travail. Et qu'il puisse te glorifier. Ceux qui ont des dossiers. Les demandes d'emploi. Et entrent en scène. Et donnent du travail. Ceux qui vont faire les interviews. Parle à leur place. Afin qu'ils soient engagés, Seigneur. Ô Père, quel que soit le besoin, ils ont présenté. Accordé à chacun. Selon les besoins de son cœur. Celui qui a besoin des enfants. Donne-lui les enfants, Seigneur. Tu as dit dans ta parole. Si vous observez mes autres ordonnances, si vous gardez mes commandements, il n'y aura même pas de stérile. Seigneur, accomplis cette parole. Car tu es vivant. Oubliez de nous. Merci Seigneur Jésus. Parce que tu as donné à chacun ce qu'il a demandé. Et nous sommes dans la parole. Glorifie-toi, Seigneur. Et chacun des Continuez à manger, Seigneur. Merci, Père bien-aimé. Sois béni, sois lui.